Bonsoir frères et sœurs, alors de nouveau nous voici. Hier on a partagé sur il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Et donc ce soir encore nous voici, encore de nouveau, hein. Alors, on se conduire par le Seigneur. On va remettre ce moment entre ses mains, qu'il nous puisse nous fortifier, nous conduire. Seigneur, Papa Yeshua, merci Seigneur pour ce temps. Papa, que tout ce qui est caché soit révélé, Papa. Seigneur, que ta parole nous soit donnée, Papa. Que tout ce que tu diras, Père de gloire, soit pour l'édification, Seigneur, mon roi, Papa, de nos vies. Que moi-même, Papa, puisse être aussi être encouragé, Papa, par toutes les paroles, Papa, par toutes les choses que tu peux nous révéler, Papa. Seigneur, dans ta parole, Seigneur, Yeshua. Oh Seigneur, tu es la source de vie, Papa. C'est toi seul, Papa, qui donne la vie, Papa, éternel, Papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur, mon roi, Papa. Aucun homme, Papa, au Père de gloire, ne peut se comparer à toi, Seigneur, Elohim. Toi qui sièges, toi qui règnes, qui es assis sur ton trône de gloire, Seigneur. Oh Papa, je veux t'adorer, Papa. Te dire merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Papa. Merci pour ton esprit dans nos vies, Papa. Merci pour ton feu dans nos vies, Papa. Ton amour, Papa, dans nos vies, Seigneur, mon roi, Papa. Merci pour ta patience, Papa. Père de gloire que tu as eu pour nos vies, Papa. Seigneur, nous te prions, Papa, de sauver encore des âmes, de libérer encore, Papa, au Père des vies. Oh Seigneur, de prendre soin des âmes, Papa. Tu vois le malheur, Papa, qui arrive sur la terre, Papa. Oh Seigneur, tu nous interpelles, Papa. Interpelles, Papa, les gens, Papa. Interpelles les âmes, Seigneur, mon roi, Papa. Oh Yeshua de gloire. Sois magnifique, Papa. Sois adoré, Papa. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Amen. Donc, bonsoir, frères et sœurs. Rebonsoir. Et voilà, que cet audio soit partagé à la jeunesse, aux jeunes. Voilà, que vous pouvez connaître. Voilà, que le Seigneur peut aussi toucher, veut aussi toucher, veut aussi ramener à lui. Et. Alléluia, donc on va prendre un passage dans Matthieu 11, 28. Matthieu 11, verset 28. Et la parole nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Là, c'est le Seigneur qui parle. Notre Créateur, qui dit clairement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Waouh. Et il y a la pensée que le Seigneur m'a donnée après le partage qui a eu lieu, c'est que beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de jeunes, en fait, beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup en ont assez de ce monde, en fait. Assez de, voilà, ils ont un mal, en fait, ils ont un mal-être, en fait, dans ce, voilà le mot, un mal-être par rapport à ce monde. Beaucoup de gens se cherchent dans le monde, beaucoup ne savent plus quoi faire. Donc qu'est-ce que les gens font? Que les gens tombent dans la distraction, voyez, au lieu de voir la réalité des choses en face. Les humains sont en train de tomber dans une forme de distraction, dans la distraction. Vous voyez, pour tuer le temps. Pour tuer le temps. Donc on voit que beaucoup de jeunes tombent dans la distraction, tombent dans les choses éphémères de la terre, alors que nous sommes en train de vivre la fin. Vous voyez, nous sommes en train de vivre la fin des temps. La fin est devant nos yeux. Et le Seigneur veut interpeller les jeunes, interpeller la jeunesse, qui est en train de se perdre dans les choses de ce monde. Tu vois, le Seigneur appelle les jeunes chrétiens, ceux qui sont aussi convertis, qui se sont détournés. Le Seigneur vous appelle à rentrer dans l'arche. Tu as été fatigué, tu vois, tu as été tellement chargé, tu as été dans les incompréhensions, tu as été dans tellement de doutes, tellement tu as vu tellement de choses qui t'ont même dégoûté de la vie en communauté avec les frères et sœurs. Et tu as abandonné et tu es retourné dans le monde. Le Seigneur t'appelle, mon frère. Oh la jeunesse. Oh la jeunesse. Oh la jeunesse. Yeshua t'appelle. Il te dit que
C'est à lui que tu dois accrocher ton cœur. C'est à lui que tu dois regarder, jeunesse. Waouh! Car dans ce temps dernier dans lequel nous sommes, le Seigneur pose particulièrement son regard sur la jeunesse. La jeunesse. Alléluia. Cette jeunesse qui est fougueuse. Cette jeunesse que le Seigneur veut utiliser pour porter la parole de vie. Pour porter cette parole de vie. Alléluia. Pour se lever dans la prière, dans ta nation. Là où tu es dans ta nation, tu dois te lever dans la prière. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu dois te lever, je te dis. Nous devons nous lever. Car le Seigneur a de grandes choses à opérer avant son retour. Avant qu'il ne revienne, il a de grandes choses à opérer. Alléluia. Il a des choses glorieuses à opérer. Et c'est toi qui l'as choisi, jeunesse. C'est toi qui l'as choisi, jeune homme, jeune fille, ma soeur, mon frère. C'est toi qui l'as choisi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu t'es laissé distraire par l'ennemi. L'ennemi t'a distrait. L'ennemi t'a écarté de la volonté du Seigneur. Le Seigneur te dit, reviens dans sa volonté. Reviens à la place où il t'a mise. Où il t'avait mis, tu dois y revenir parce qu'il t'appelle. C'est un cri du Seigneur. Il t'appelle. Alléluia. Il t'appelle à revenir là où il t'a positionné, là où il t'a placé. Tu vois, devant son trône, dans la prière. Ne te laisse pas distraire par le monde. Ne te laisse pas distraire par les choses de la terre. Par les amis de ton travail, les amis de ton école. Ne te laisse pas distraire parce que nous sommes à la fin. Ne ratons pas l'enlèvement. Ne ratons pas le retour du Seigneur. Et l'ennemi est en train de mettre le paquet contre la jeunesse. Le paquet pour que tu tombes dans le péché, pour que tu tombes dans le sexe. Oh oui, nous sommes dans une génération où c'est le sexe qui est mis en avant. C'est la publicité qui est mise en avant. C'est la mode qui est mise en avant. Et le Seigneur te dit, sépare-toi de tout ça. Car il y a beaucoup mieux pour toi. De grandes choses t'attendent. Tu dois te séparer, mon frère. Tu vois? Tu as été fatigué. Tu as été chargé et tu as tout abandonné. Tout abandonné. Tout abandonné. Tu t'es écroulé. Tu vois? Mais le Seigneur te dit de venir à lui. Il est temps que tu fixes ton regard uniquement sur le Seigneur. Tu as trop mis ton regard sur les choses futiles. Tu as trop plongé ton regard dans les choses futiles. Et tu t'es écarté. Tu vois? C'est pour ça que le Seigneur te dit, reviens. 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 Reviens parce qu'il t'aime. Alléluia. Yeshua, il t'aime. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Alléluia. Reviens à lui. Reviens dans la bergerie. Toi qui avais quitté la bergerie pour les boîtes de nuit. Toi qui avais quitté la bergerie pour les femmes, pour les hommes. Toi qui avais quitté la bergerie pour les choses de la terre, pour l'argent, pour le business, pour la drogue, pour la cigarette. Il est temps que tu reviennes dans la bergerie. Que vas-tu gagner dans le monde? Que vas-tu gagner dans ce que tu fais actuellement? Tu vois, que vas-tu gagner? Tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre ton salut. T'enfoncer dans le péché. T'enfoncer dans la mort. Et le Seigneur te dit, reviens à lui. Viens à lui, jeunesse. Rappelle-toi comment tu es tombé amoureux de lui. Rappelle-toi comment tu as été touché quand il t'a parlé. Rappelle-toi des moments que tu as vécu dans sa présence. Rappelle-toi des songes et des visions qu'il t'a donné. Rappelle-toi des promesses qu'il t'a faites. Rappelle-toi de tout ce qu'il t'a dit. Rappelle-toi des plans de bonheur qu'il t'a promis. Mais tu t'es écarté à cause de l'appel de ce monde, à cause de l'appel du sexe, à cause de l'appel du business, à cause de l'appel des films pornographiques, à cause de l'appel de la séduction de ce monde. Oh oui. Ce soir, il te dit, reviens.
Reviens, reviens. Tu as tout à gagner avec lui. Tu as tout à espérer avec le Seigneur. Car la parole nous dit que le diable est descendu pour détruire les hommes, nous séduire. Il est en train de jeter une séduction sur la terre, une séduction sans précédente. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'être debout, jeune homme, jeune frère, jeune sœur, mes frères, mes sœurs, la jeunesse, dans l'intimité, dans la prière, être debout. Oh oui, être un vaillant guerrier, être une vaillante guerrière. Alléluia. Vaillante guerrière, tu es son prophète. Oh oui, tu es son prophète. Il te dit le Seigneur, tu es son prophète. Il t'a appelé pour que tu puisses prophétiser. Ne laisse pas le monde t'endormir. Alléluia. Lève-toi, guerrier, vaillant guerrier. Nous sommes dans un temps de vaillants guerriers. Nous sommes dans un temps de vaillantes guerrières. Gardez la parole du Seigneur. Gardez l'évangile de Yeshua. On doit la garder quoi qu'il arrive. La garder précieusement. Car c'est elle qui va sauver nos âmes. C'est elle qui va nous libérer de la puissance de ce monde, de la puissance de la séduction, la puissance du péché, la puissance de la chair. C'est l'évangile de Yeshua. Oh oui, le Seigneur ne nous a pas appelés pour être dans les églises, être assis tous les dimanches. Ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça le message que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Il t'appelle à être comme le vent, mon frère. Tu t'es laissé embrigader dans la religiosité, tu vois. Tu marchais à contre-courant, tu marchais par l'esprit. Mais à un moment donné, tu t'es arrêté et tu as commencé à regarder à la religion. Tu as commencé à regarder au dire des hommes. Tu as commencé à regarder au fonctionnement du système religieux. Et tu as commencé à être séduit. Mais le Seigneur te dit, tu dois revenir à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Alléluia. Le premier amour. Cet amour qui va... Oh, cet amour terrible. L'amour du début. Reviens, jeune homme, mon frère jeunesse, reviens, c'est possible. Même si tu as fait mal hier, le Seigneur pardonne. Même si tu as fait mal hier, le Seigneur veut te faire miséricorde, te faire grâce. Tu vois? Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Le repos. Il veut te donner, il veut nous donner le repos. Le repos. Le repos. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Mais le Seigneur veut te redonner ce repos que tu avais quand tu étais avec lui. Ce repos-là, tu vois. Tu vois. Et le péché sexuel a retiré ce repos en toi. Tu vois. Le péché a retiré ce repos en toi. Tu vois. La distraction a retiré ce repos en toi. Tu ne sais plus mettre la tête. Mais le Seigneur te dit, reviens à ton premier amour. Reviens à lui. Reviens. Reviens. Tu vois? Parce qu'il veut de nouveau te donner ce repos. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Tu vois? Le repos. Il n'y a pas de repos dans les diplômes. Il n'y a pas de repos dans l'argent. Il n'y a pas de repos dans les stars que tu aimes, les stars que tu suis. Il n'y a pas de repos dans les prédicateurs. Il n'y a pas de repos dans les églises. Le repos s'appelle Yeshua. Le repos s'appelle Yeshua HaMashiach. Lui seul donne le repos véritable. Alléluia Seigneur. Waouh. Jeunesse, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus de Nazareth. Toi qui n'es pas converti, donne ta vie à Jésus. Oui, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, il t'appelle. Il t'aime le Seigneur. Il t'aime. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Qu'est-ce que le joug? Vous voyez, le joug, c'est... Ben, on va prendre la définition. Voilà, c'est en fait un joug, c'est ce qui est posé sur le bétail, qui est attelé au bétail, tu vois. Et pour qu'ils puissent suivre là où l'on mène en fait en vérité. Et ce joug là, c'est la parole.
La parole, eh ben, elle nous dirige. La parole du Seigneur, elle nous a été donnée pour nous diriger, pour nous conduire dans la lumière qui nous conduit au ciel, dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle Yerushalem, le ciel, mes frères et sœurs. Jeunesse, ne rate pas le ciel pour les choses de la terre. Nous sommes dans un temps terrible, un temps où les ténèbres prennent place, dans un temps où le péché augmente, dans un temps où l'immoralité est en train de prendre place, dans un temps où il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Et le Seigneur nous dit de nous réveiller. Il dit à la jeunesse de se réveiller. Il dit au peuple de se réveiller, aux enfants d'Élohim de se réveiller, de se mettre debout. Oh oui, car nous avons un rôle à jouer. On a un rôle terrible à jouer. Voyez, ne nous laissons pas distraire. Ne tombons pas dans la distraction, dans la peur, les futilités. Voyez, on doit regarder au Seigneur, avoir les yeux fixés vers le Mashiach, parce que le Mashiach n'a pas dit son dernier mot. Oh papa, il n'a pas dit son dernier mot pour toi, jeunesse. Hier, je sentais vraiment dans mon cœur, le Seigneur était pleure pour la jeunesse, parce qu'il aime la jeunesse. Il aime la jeunesse. Oh oui. Oh Seigneur, papa. Il veut répandre sur toi cette eau pure. Il veut répandre sur toi son esprit. Il veut répandre sur toi sa grâce, son amour, son amour. Il veut te combler, mon frère, ce soir. Il veut te combler. Alléluia. Il veut combler cette tête que tu es. Tu as été blessé, tu as été cassé, mais il veut combler cette tête que tu es. Ce soir, tu dois l'invoquer parce qu'il est prêt à te visiter. Il est prêt à te visiter ce soir. Oh papa, merci Seigneur. Alléluia. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Il veut restaurer en toi la prophétie, la grâce prophétique. Oh oui, toutes ces grâces, tous ces dons qui sont en toi, le Seigneur veut les réveiller, il veut les rallumer. Parce que tu as été éteint, mon frère, tu as été cassé. Ce soir, c'est ton heure. C'est pour toi, c'est ton heure. Oh papa, merci Seigneur. Merci papa pour le travail que tu fais, papa, au Père, au nom puissant de Yeshua. C'est ton heure. Alléluia. C'est ton heure, te dit le Seigneur. Tu dois te mettre debout ce soir. Tu dois abandonner tous tes péchés. Tu dois tout abandonner ce soir. Tu dois tout délaisser parce qu'il veut te visiter. Ce soir, il veut te visiter parce qu'il veut te sauver. Parce que tu es sa prunelle. Parce que tu es sa fille, tu es son enfant. Il t'appelle. Oh oui. Prenons son joug, tu vois, et il dit, apprenez de moi, apprends de lui, tu vois, tu dois ouvrir ton cœur totalement, c'est ce cœur-là que le Seigneur veut visiter. Sa parole dit qu'il frappe à la porte, et celui qui l'ouvre, il rentrera et il soupera avec lui. Ne veux-tu pas souper avec le grand roi? Ne veux-tu pas que le grand roi vienne souper avec toi? Ne veux-tu pas que le grand roi devienne ton ami, devienne proche de toi, devienne ton père, devienne ton ami, devienne ton tout? Il veut devenir ton tout parce que tu es sa créature, tu es son enfant. Tu es son enfant. Alléluia. Tu es son enfant. Tu lui appartiens et il va venir te chercher. Il va venir te chercher. Il va te récupérer là où tu t'es caché. Là où l'ennemi t'a pris entre ses griffes, là où t'as été pris en otage, il va te libérer. Alléluia. Sur sa parole, il va te libérer. Il va te libérer. Ô Seigneur. Ô jeunesse. Ô jeunesse, le Seigneur te regarde. Ô jeunesse, le Seigneur, il te regarde. Ses yeux sont posés sur toi, jeunesse. Ô papa. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci. Ô papa. Je vous dis la vérité,
Le Seigneur veut répandre son esprit sur toi. Le Seigneur veut répandre son onction dans ta vie afin que tu résistes au péché, afin que tu résistes aux ténèbres qui t'attaquent parce que tu es appelé, parce que tu as l'appel de Yeshua dans ta vie, sur ta vie. Tu t'es caché parce que tu as eu peur des combats, tu as eu peur des attaques, tu t'es caché, mais c'est parce que tu as reçu l'appel de Yeshua sur ta vie. Et il te dit de revenir à lui. Et il te positionnera là où il te voit, là où il te veut. Tu ne dois pas aller te mettre quelque part là où il ne t'a pas mis. Oh oui, car tu seras malheureux. Tu seras malheureuse parce que tu n'es pas là où le Seigneur te voit. Tu n'es pas là où le Seigneur t'attend, mon frère. Oh papa. Alléluia. 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 Kadaba shinda malori. Oh Seigneur Yeshua de gloire, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a un temps puissant qui arrive. Il y a un temps terrible qui arrive pour l'église. Le Seigneur dit à l'église, dit à la jeunesse de se préparer. Un temps puissant arrive. Le Seigneur va déverser sa puissance sur nos vies. La puissance de son esprit va être répandue sur son corps. Sur son corps. Et son corps sera en mouvement. Son corps sera debout. Son corps va impacter cette génération. Son corps ne va pas mourir. Son corps est debout. Son corps est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes l'église du Mashiach. Nous sommes les élus du Mashiach. Qui peut nous ravir? Qui peut te ravir, mon frère, ma soeur? Ce message-là, c'est pour l'église. C'est pour la jeunesse. Le Seigneur appelle la jeunesse. Oh, il appelle la jeunesse. Il veut t'emmener là où il te voit. Tu t'es caché là où il ne fallait pas. Et là, tu es malheureuse. Tu es malheureux. Ne vois-tu pas la tristesse qui est dans ton cœur? Cette tristesse qui est dans ton cœur, le Seigneur te dit de revenir à ton premier amour, de revenir à lui. Reviens, reviens là où il t'appelle. Alléluia. Il est temps de plonger ton regard dans l'évangile, de plonger ton regard dans le Seigneur. Il est temps d'arrêter de regarder à gauche, à droite. Regarde au Seigneur. Au Seigneur Yeshua. Waouh. Et il dit, prenez mon joug sur vous et vous apprenez de moi, car je suis doux, il est doux, hein, et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. As-tu le repos dans la drogue? As-tu le repos dans le business? As-tu le repos avec la vie que tu mènes, cette vie de débauche? As-tu le repos? Tu n'as pas le repos. Tu vois, tu n'as pas le repos. Tu vois, et Yeshua te dit de revenir parce qu'il veut te remettre à la position qu'il t'a mise. Et toi qui n'es pas encore converti, le Seigneur, ton Créateur, Yeshua de Nazareth, veut te positionner dans son royaume. Oh Père, Père. Père, Père, répands ta grâce sur nous, Seigneur. Répands ta grâce sur nous, Seigneur. Répands ton feu sur nous, Seigneur. Répands ta miséricorde. Ta miséricorde, ton feu, papa, ton feu, ta sainteté, papa, ta sainteté, papa, ton amour, papa, ta gloire sur nos vies, papa. Oh papa, oh alléluia. Voyez, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. En fait, suivre le Seigneur, c'est doux. Et son, en fait, la parole est doux et la parole, en fait, c'est lui qui nous aide, en fait, en vérité. C'est lui qui nous aide à lui obéir.
Ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par tes propres forces, mon frère, que tu obéis au Seigneur. Ce n'est pas par tes propres forces que nous accrochons, Seigneur. C'est parce que, en fait, c'est lui, c'est la grâce. Voyez? C'est la grâce. Et la parole du Seigneur nous dit que personne ne se prive de ça, de la grâce. Ne te prive pas de la grâce. Tu vois? Car c'est par grâce qu'on peut tenir. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce qu'on peut marcher dans la sanctification. C'est la grâce. C'est pour cela que toi qui entends ce message, qui n'arrive pas à te sanctifier, qui n'arrive pas à tenir ferme, à chaque fois que tu tombes dans le mal, eh ben, le Seigneur te dit, ouvre-lui ton cœur et accepte sa grâce. Accepte son pardon. Accepte son pardon. Meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Crie à lui véritablement et paye le prix. Sépare-toi des mauvaises compagnies. Sépare-toi des hommes et des femmes qui t'induisent au péché, en erreur, en distraction. Tu vois? En cancan, en murmure. Sépare-toi. Sépare-toi, mon frère, ma soeur. Et marche avec les fils et les filles de la lumière. Des hommes et des femmes qui ont la vision de la lumière. La lumière qui est Yeshua. Marche avec ce genre de personnes, tu vois, qui ont donné leur vie au Seigneur. Ne marche pas avec les chrétiens yo-yo. Les chrétiens qui ont un pied ici, un pied là. Des chrétiens légers. Ne marche pas avec les gens qui sont légers. Parce que tu deviendras léger. Oh oui. C'est pour cela que beaucoup de jeunes tombent aussi dans le péché. C'est parce que on pense que la marche chrétienne, la vie chrétienne est une affaire de groupe. Est une affaire de en fait, la marche chrétienne, la vie avec le Seigneur, elle est d'abord seule, ensuite en communion. Mais le problème, c'est que beaucoup de jeunes viennent au Seigneur par effet de mode, par effet de groupe, par effet de, on voit le système aujourd'hui, on voit les églises aujourd'hui, on voit tout ça, on tombe dans ce piège. On ne vient pas au Seigneur pour avoir des amis. On ne vient pas au Seigneur pour être dans un mouvement. On vient au Seigneur, c'est pour son salut. Tu vois? C'est pour être délivré et avoir la vie éternelle et passer l'éternité au ciel. Vous savez c'est quoi le ciel? Est-ce qu'on réalise c'est quoi le ciel? C'est quoi le ciel? C'est là où le Seigneur habite. C'est ce royaume où il y a le repos. Tout à l'heure on l'a lu. Le repos véritable. Voyez? Donc toi qui t'étais égaré, reviens à la lumière. Reviens au berger de nos âmes. Waouh. On va prendre un autre passage dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 1. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, et nous y sommes dans cette nuit. Nous y sommes dans cette nuit-là. Oh oui. Là où le monde est dans le chaos. Là où le monde est dans quoi? Dans les ténèbres. Et la jeunesse, elle est dans la dépravation. La jeunesse, elle est sur TikTok. Elle est TikTokée. Et le Seigneur appelle sa jeunesse à sortir de TikTok, à sortir des réseaux sociaux, à sortir leurs images, leurs photos sur les réseaux sociaux. Ta vie là, retire là-dessus. Oh oui, retire tes enfants sur les réseaux. Retire tout ça, jeunesse. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre des modèles qui t'apprennent à glorifier son corps, à glorifier sa vie. Tu vois? Mais suivre l'évangile. L'évangile de vérité. Tu vois, jeunesse? Jeunesse, c'est encore possible. Le titre, c'est quoi? Persévère, c'est possible. Persévère, jeunesse, c'est possible. C'est possible de marcher comme le Seigneur. C'est possible de marcher comme les apôtres ont marché. C'est possible de vivre le Seigneur. C'est possible de vivre la sanctification. C'est possible de vivre l'obéissance envers la parole de Yeshua. C'est possible.
Alléluia. C'est possible parce que la parole nous dit que sur la croix, il a tout accompli. C'est la croix, mes frères et sœurs, c'est la croix. Oh oui, c'est cette croix-là que le Seigneur a crucifié, cette chair-là, pour nous délivrer. Waouh. Waouh. C'est possible, c'est encore possible. Qui t'a dit qu'il était impossible de marcher dans la vérité? Qui t'a dit qu'il était impossible de suivre Jésus dans ce siècle 2020, dans l'année 2020 que nous sommes? Qui t'a dit que c'était impossible? 2020, c'est l'époque, la pire des époques par rapport à là où nos frères dans la foi ont vécu. C'est la pire des époques, 2020. La pire des époques. C'est une époque où il y a le... Imaginez-vous, il y a 2000 ans. C'était pas comme ça. Hein? Il y a 2000 ans, le péché n'était pas à ce niveau. Donc si en 2020, là, on tient ferme, on se bat pour tenir ferme par rapport au mal, c'est que là, le Seigneur est en train d'agir puissamment. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, s'il n'y a pas Yeshua de Nazareth, il est impossible de tenir ferme, il est impossible de vivre la parole si il n'y a pas Yeshua en vérité. Voyez, 2020, c'est le paroxysme du péché, c'est le summum. C'est le summum de l'immoralité. C'est le summum de la dépravation. C'est le summum. Et dans ce summum-là, il y a, en fait, le monde nous appelle. Tu vois, il y a un appel qui est sur nous, là. Le monde nous appelle. Le monde veut nous aspirer dans leur travers, dans leur péché. Vous voyez? Le monde nous appelle. Mais la parole nous dit que Yeshua aussi nous appelle. Et son appel est plus grand que l'appel du monde. C'est pour cela que c'est, en fait, si nous voulons suivre le Seigneur, nous allons le suivre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tout accompli. Vous voyez? Il a tout accompli. Donc c'est possible en 2020 de demeurer intègre. Et oh, c'est une folie 2020. 2020 là, c'est une folie. 2020, c'est une année où ceux qui aiment Yeshua seront critiqués, seront détruits, seront haïs, seront... En fait, il y a toutes sortes d'épithètes, toutes sortes de titres qui nous seront attribués parce que nous suivons Yeshua de Nazareth. En 2020, là, il n'est pas permis pour les humains d'être juste, d'être dans la vérité. Ce n'est pas permis. Mais la parole nous dit qu'il y a des hommes et des femmes qui suivront la vérité. Il y a des hommes et des femmes qui marqueront leur génération. Il y a des hommes et des femmes qui vont craindre la parole. Amen, 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 amen. Alléluia. Quoi qu'il arrive, parce qu'on a décidé de suivre Yeshua, parce qu'il nous a appelés et parce qu'on veut le suivre, il va nous garder. Il va nous tenir ferme dans ses mains-là. Alléluia, 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 alléluia. Tu ne tomberas pas, mon frère, dans le péché. Tu ne tomberas pas dans l'adultère. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Tu ne tomberas pas dans la drogue. Tu ne tomberas pas dans le mensonge. Tu ne tomberas pas avec les hommes, ma sœur. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. On va persévérer dans la gloire du Seigneur, dans le feu de notre papa d'amour, dans la lumière du papa d'amour. On va persévérer au nom de Yeshua de Nazareth. Déclare sur ta vie cela, déclare ce sens sur ta vie que tu iras au ciel. Déclare sur ta famille qu'ils iront au ciel. Déclare sur ta vie que tu iras au ciel, que tu ne périras pas. Prophétise sur ta vie, prophétise sur ta famille. Proclame sur ta famille oh, qui sont sauvés. Proclame au nom de Yeshua, prophétisons sur nos familles. Je prophétise sur ma famille qui seront sauvés. Je prophétise sur ma famille qui iront au ciel, sur ma vie, sur mon foyer. Nous prophétisons notre... On ira au ciel, on déclare cela. Toute parole de malédiction, toute parole, papa, de malédiction, Père de gloire, on le brise au nom de Yeshua de Nazareth. On vient briser toute parole de malédiction, toute parole de condamnation. On vient la briser au nom de Yeshua. 2021, c'est une année de sanctification.
sanctification encore. Une année, on va marcher avec le maître. Une année, on va pas tomber dans le péché. Une année, on va marcher droit au nom puissant de Yeshua. Une année où le Seigneur va se glorifier encore. On le prophétise, on le déclare que c'est une année où l'église du Mashiach sera en marche, sera debout. Une armée de différence avec le péché, avec les ténèbres. Une année de puissance avec le maître. Une année glorieuse avec Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth. Ô Seigneur mon roi. Voyez, c'est une année de gloire, une année de gloire avec le maître, une année de gloire, pas comme le monde dit, hein. Pas comme les églises disent, hein. une année, oh, l'argent, non, une année dans la gloire avec le Mashiach, alléluia, une année où le monde, où les nations connaîtront qu'il y a un Elohim, connaîtront qu'il y a des enfants d'Elohim sur la terre, connaîtront qu'il y a un peuple du Seigneur sur la terre, qui vont se lever dans la prière, qui vont briser les chaînes dans la prière, briser tous les ténèbres dans la prière, briser la sorcellerie, briser la maladie, briser les ténèbres dans la prière, au nom de Yeshua de Nazareth, ô Seigneur mon roi. Alléluia. Waouh. 1 Thessaloniciens 5 au verset 1. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur. Tout à l'heure, on l'a lu. Vient comme un voleur dans la nuit. Et nous y sommes dans cette nuit. Tout à l'heure, j'en parlais. Nous sommes dans cette nuit-là. Voyez ? Dans cette nuit-là, c'est l'immoralité. Tout bat de son plein. Tu vois? Et c'est dans cette nuit-là, nous, on brille. Nous, les enfants du Seigneur, nous brillons. Dans nos cœurs, là, il y a la lumière du Seigneur. Il y a cette lampe-là qui brille en nous, là. La lumière du Mashiach brille en nous. Ô Seigneur mon roi. Et à travers nos vies, le Seigneur va libérer des gendarmes, libérer des policiers, libérer des hommes qui ont besoin, qui attendent ce message. Le Seigneur va t'envoyer voir des policiers, mon frère. Alléluia. Il va t'envoyer voir des hommes haut placés, des avocats, des députés, pour que tu leur prêches la parole. Alléluia. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Le Seigneur va t'ouvrir des portes pour travailler dans un lieu bien spécifique. Et c'est là que le Seigneur va t'utiliser pour témoigner de son nom. Et beaucoup à travers ta vie verront le Seigneur Yeshua de Nazareth. Le Seigneur Yeshua de Nazareth. Il ne t'a pas envoyé là-bas là pour que tu puisses l'oublier. Il t'a envoyé là-bas pour une mission bien précise. Le travail que le Seigneur va te donner là, c'est pour une mission bien précise. Donc commencez, faut pas te glorifier. Non, mais glorifie son nom. Et c'est une mission qui va te donner là où tu vas aller là. Les portes que le Seigneur va t'ouvrir là-bas là, dans ses bureaux là-bas là. C'est pour que tu puisses témoigner de son nom. Tu ne dois pas aller te compromettre là-bas. Ton langage, ton comportement doit être digne d'un enfant d'Elohim. Car aussitôt que tu feras n'importe quoi, le Seigneur te retirera de là. Tu ne dois pas tomber dans le péché là-bas. Mais témoigner du Seigneur dans ce travail de haut placé où il t'envoie. Ô Seigneur moi, ô Seigneur Yeshua de Nazareth, ô Seigneur Yeshua de gloire. Le Seigneur parle à quelqu'un. Oh oui, à ce frère-là, à cette sœur-là. Il t'ouvre des portes. Il t'ouvre des portes. Oh oui, pour que son évangile se propage dans ce lieu où tu vas travailler. Oh Seigneur, mon papa. Alléluia. Oh oui. Oh oui. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Il te parle. Oh Seigneur mon roi papa. Oh oui, oh oui, il te parle. Là, le poste là qu'il t'a donné, c'est pour glorifier son saint nom. Pour glorifier son nom puissant. Et là, il va t'envoyer, tu vas prier pour des malades, il va les guérir. Il va guérir des hommes qui ont de l'argent, qui sont bien placés, et ils vont se convertir. Ils vont se convertir, ils vont se convertir, ils vont se convertir, et tu vas les baptiser. Alléluia. C'est un temps, je vous dis la vérité, c'est un temps terrible qui arrive. Un temps où
Yeshua va se manifester comme il ne s'est jamais manifesté. Je vous dis la vérité, dans les élus, dans la jeunesse, dans les élus, il va se manifester puissamment. Sa puissance va se manifester de plus en plus. De plus en plus que le péché augmente, de plus en plus que les démons travaillent. La puissance du royaume de Yeshua va se manifester dans ses élus. Oh oui, une puissance terrible va se manifester dans ta vie, va se déverser dans ta vie. Tu vas être dépassé, mon frère. Alléluia. Pour l'unique but de glorifier Mashiach. Mashiach qui est sorti d'entre les morts. Mashiach qui vit éternellement. Mashiach qui va récompenser ses élus. Mashiach qui délivre son peuple. Mashiach qui arrache la jeunesse. Kolila itaboli. Alléluia. 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 Je vous dis, alléluia. Yeshua. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Le Seigneur te dit, il a vu ton cœur, il a vu ton cœur. Tu veux parler de lui, il va t'envoyer, tu vas parler de lui. Tu lui as dit, Seigneur, me voici, il va t'envoyer. Tu vas parler de lui, mon frère, tu vas parler de lui, ma sœur. Tu vas témoigner du Mashiach. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et son royaume va te précéder. La puissance du royaume va te précéder. Tu seras accompagné. Tu ne seras pas seul. Des anges terribles vont t'accompagner dans la mission qu'il va te donner. Oh papa, oh papa, oh papa. C'est le temps de la jeunesse. Voilà pourquoi le titre, c'est quoi? Persévère, jeunesse, c'est possible. Oh oui, oh oui. Ne tombe pas dans le péché, car tu risques de détruire tout ce dont le Seigneur voulait opérer avec toi. Tout ce dont le Seigneur voulait opérer avec toi, ça va se détruire à cause du péché. Et tu vas perdre du temps. Oh oui, et tu risques même de te perdre. Parce que c'est le temps, nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas un temps de tomber. C'est un temps de... En fait, c'est un temps où on doit savoir ce qu'on veut. C'est un temps où on doit savoir qui voulons-nous suivre. Qui voulons-nous adorer. Tu vas adorer qui? Qui veux-tu adorer, mon frère? Qui veux-tu adorer, ma sœur? Oh oui, qui veux-tu adorer? Oh, Seigneur mon roi, papa. Oh, papa. Oh, papa. Même si des langues se lèvent contre ta vie, même si des langues se lèvent pour te détruire, même si des langues se lèvent pour te critiquer, toi, garde la parole de Yeshua, même si tu es jeune. Ne te dis pas, tu verras dans quelques... C'est la fin. Ce n'est pas le temps de dire qu'on verra demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu dois te repentir. Demande pardon au Seigneur aujourd'hui. Laisse ta petite copine aujourd'hui. Laisse ton petit copain aujourd'hui. Pas de petit copain dans le Seigneur. Abandonne cela, car ce sont des choses qui font plaisir à la chair. Oh oui, mais la parole dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Tu risques de mourir, mon ami. Tu risques de périr avec ton petit copain, ta petite copine. C'est pour cela que tu dois prendre la décision ce soir d'abandonner ta petite copine, ton petit copain. Appelle-le, dis-lui c'est fini, parce que le Mashiach revient. Je te dis la vérité. Dis-lui, le Mashiach revient, je t'abandonne. Oh oui, pas de fornication. Et c'est un péché qui attaque la jeunesse. C'est un péché qui détruit la jeunesse, le sexe. C'est pour cela que le Seigneur veut te délivrer totalement. Il veut te délivrer. Et ce soir, je crois que le Seigneur délivre des âmes. Oh, ce soir, ce soir, ce soir. Ce soir, là, le Seigneur te délivre de ce démon qui te possède. Le Seigneur te délivre de cet esprit impur qui te possède. Tu es délivré là. Voici ta délivrance ce soir. Au nom de Yeshua, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour délivrer son peuple. Sa main n'est pas trop courte pour te délivrer ce soir. Il te délivre ce soir. Sa main vient sur ta vie. Sa main vient maintenant sur ta vie. Il te délivre. Oh Seigneur, oh Papa, il délivre ceux qui sont chargés d'esprit impur. Il vous délivre ce soir. Il te délivre. Alléluia. Il te délivre. Ça sort de ta vie. Ces esprits de péché, de sexe, ça sort de ta vie maintenant. Ça remonte et ça sort, ça sort, ça sort. Oh papa, merci Seigneur. Il te délivre. Oh Seigneur, le Seigneur revient. Le Seigneur revient.
C'est un temps là, il va faire des choses terribles. Même là, il délivre quelqu'un. Il te délivre. Il délivre ceux qui suivent là et qui sont chargés de démons. Il vous délivre. Alléluia. Ça quitte ton corps. Ça quitte ta vie. La maladie que tu as là, ça quitte ta vie. Ça sort de ton corps. Ça sort maintenant. Alléluia. Il y a des délivrances ce soir. Il y a des délivrances ce soir. Tous les esprits impurs, quittez les corps. Quittez les vies ce soir au nom de Yeshua. Quitte la jeunesse. Alléluia. Quitte la jeunesse, démon. Sors maintenant. Sors, sors. Allez, pars. Alléluia. Partez maintenant. Oh Seigneur, mon papa. Oh oui, papa. Oh oui, oh oui. Sa main n'est pas courte. Là, il te délivre, il te nettoie. Il restaure ta vie. Il restaure tes pensées. Il restaure ton cœur. Il restaure ta vie ce soir. Alléluia. Ce soir, c'est ta restauration. Oh oui. C'est ta restauration totale. Tu étais brisé, blessé. Il te restaure, il te guérit en profondeur. Voici sa main sur ta vie. Voici sa puissance dans ta vie. Voici son huile, son onction dans ta vie ce soir. Il arrache ta vie des griffes des ténèbres. Il t'arrache ce soir. Il te délivre. Alléluia. Il te délivre. Il te délivre. Il t'arrache des ténèbres. Il t'arrache du péché ce soir. Il te délivre. Ça te quitte. Ça quitte ta vie. Tous les esprits humains là. L'esprit de Marie de nuit là. Ça te lâche maintenant. Lâchez les corps. Lâche son corps. Quitte là. Quittez son corps. Quitte sa vie. Maintenant au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur mon roi, merci pour les vies papa. Merci pour les hommes papa, les femmes que tu délivres ce soir papa. Que tu arraches papa des ténèbres. Que tu arraches papa au père des boîtes de nuit. Que tu arraches papa du mensonge. Que tu arraches papa de l'hypocrisie. Que tu arraches papa de l'orgueil. Que tu arraches papa des pensées impures papa. Tu nettoies les cœurs, tu purifies les cœurs ce soir. Un cœur nouveau pour la jeunesse papa. Oh cette jeunesse papa que tu aimes. Cette jeunesse papa que tu veux libérer papa. Oh père de gloire, tu les arraches. Au nom de Yeshua, ce soir, tu es délivré. Tu es délivré. Le Seigneur restaure ta langue. Il restaure ta bouche. Il restaure cette épée dans ta bouche. Au nom de Yeshua de Nazareth, quittez son corps. Quittez, quittez, quittez. Ce soir, c'est particulier. Ce soir, c'est glorieux. Ce soir, c'est ta délivrance. Ne vois-tu pas la main du Seigneur ce soir dans ta vie? Oh Seigneur mon roi papa, merci papa pour ces délivrances papa que tu opères papa ce soir. Merci papa pour ces âmes papa que tu nettoies ce soir. Là papa ils étaient captifs. Là papa il y a des âmes papa, des jeunes papa qui étaient attachés papa au péché papa. Ils sont délivrés ce soir. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Sur cette parole oh, que le Seigneur donne, tu es libéré au nom de Yeshua de Nazareth. Tu es libre. Alléluia. Quitte son corps, quitte sa vie. Toute maladie bizarre, là où tu étais malade. Oh Seigneur mon roi. Oh papa, quelle maladie que tu as mon frère, ma soeur. Quelle maladie, tu peux écrire sur le chat. Seigneur, nous prions papa. Que toute maladie bizarre papa. Là papa, la jeunesse était dans la maladie papa. Toute maladie du rein, ça quitte ton corps maintenant. La maladie rénale, ça quitte ton corps ce soir. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta vie papa. Oh oui, oh oui. C'est un filet que le Seigneur est en train de jeter. C'est un filet que le Mashiach est en train de jeter sur sa jeunesse ce soir. Et ce soir, tu vois sa puissance. Et ce soir, tu vois sa grandeur. Tu vois sa gloire ce soir. Tu vois sa main sur ta vie ce soir. Tu vois la puissance de sa résurrection sur ta vie ce soir. Il te dit, suis-le, 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 suis-le. Et ne l'abandonne pas. Suis-le, ne l'abandonne pas. Oh Seigneur mon papa. Alléluia. Au verset 2, au verset 3. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière. Vous êtes tous des fils de la lumière. Et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Aussi donc, ne dormons pas comme les autres. Ne dormons pas comme les autres. Ne dormons pas comme le monde qui dort. Qui dort, qui dort, qui espère que demain ira mieux. Qui espère que dans tout. Même les églises là, on voit les églises, ils espèrent que tout redeviendra normal.
tout sera plus jamais normal. C'est fini. Les vrais enfants du Seigneur sont sortis de tous ces fonctionnements. Et ils sont avec le Maître, avec le Seigneur Yeshua, dans la gloire du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Ils sont libérés de tout joug. Tout joug, ils sont libres. Car la parole nous dit, on est libre en Mashiach. Libre en Mashiach. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Voyez. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour et l'amour. Et pour casque, l'espérance du salut. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yehoshua HaMashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Alléluia. Alléluia. La vie. Il veut que nous vivions avec lui. Amen, 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 amen. C'est magnifique. Il est bon. Ce soir-là, c'est ta délivrance, mon frère. Ce soir, c'est ta délivrance, ma soeur. C'est ta délivrance totale. Tu t'es attaché, tu es délivré ce soir. Alléluia. Oh oui, sa main n'est pas courte, même par l'audio là. Sa main n'est pas courte, hein. Il va te délivrer. Il te délivre là ce soir. Ne vois-tu pas comment tu es en train de vomir là? Ça remonte, ça sort. Sortez, allez vous sortez. Vous sortez au nom de Yeshua de Nazareth. Quittez la vie de mes frères et sœurs. Quittez leur vie au nom de Yeshua. La peur, ça sort aussi. Tout esprit de peur, quitte sa vie. Oh, cette peur te tétanisait, cette peur te bloquait. Tu n'arrives même pas à témoigner de Yeshua à cause de la peur. Cette peur-là, ça te quitte maintenant au nom de Yeshua. Oh papa, un vent nouveau ce soir, un vent nouveau, un vent terrible, un vent magnifique. Sur papa, mes frères et sœurs, papa, oh papa, ce soir, au nom de Yeshua, papa, un vent nouveau, papa, un feu nouveau sur nos vies, papa, sur nos vies ce soir, un vent nouveau, papa, un temps nouveau, papa, la révélation de ta personne, la révélation de toi, Yeshua de gloire, au nom de Yeshua de Nazareth, papa, au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Tu es délivré. La maladie que tu as, peu importe la maladie que tu as, on prie que cette maladie te quitte maintenant, que cette maladie te lâche maintenant au nom puissant de Yeshua. Le cancer, toute maladie bizarre que tu as maintenant, peu importe la maladie que tu as, nous chassons cette maladie. Ça sort maintenant, là où tu étais malade, je donne l'ordre à la maladie de sortir maintenant. Tu quittes ma sœur. Quitte son ventre, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ta vie, papa. Seigneur, tu es le prophète par excellence. Papa, tu es le visionnaire par excellence, papa. Tu vois toutes choses, papa, par excellence, papa. Tu es, papa, tu vois longtemps à l'avance, par excellence, papa. Tu es l'aigle, papa, tu as les yeux de l'aigle. Oh Seigneur, mon roi, et nous voulons, papa, voir comme toi. Parler comme toi, prier comme toi, papa. Agir comme toi, papa. Oh Seigneur, Yeshua de gloire. Yeshua de Nazareth. On prophétise ça, papa. On prophétise la délivrance, papa, de nos frères et sœurs ce soir. La délivrance, papa, des captifs. La délivrance, papa, de ceux qui étaient attachés ce soir. Au nom puissant de Yeshua. Sois libre. Sois libre ce soir. Sois délivré. Au nom de Yeshua de Nazareth. Ce soir, le Seigneur équipe des jeunes. Ce soir, le Seigneur t'équipe, ô jeunesse. Il t'équipe. Il t'équipe de son armure, il t'équipe du zèle, il t'équipe de l'épée, il t'équipe de la cuirasse, il t'équipe du bouclier, il te dit vaillante guerrière. Le Seigneur dit ce soir à une femme qui prie pour son mari de continuer à prier pour lui, continue à intercéder, continue à prier, sa délivrance est proche, sa délivrance arrive. Oh Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Au nom puissant de Yeshua. Oh papa, merci pour ta grandeur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, dans nos vies. Père de gloire, on veut te rendre gloire ce soir, papa. On veut encore prier, prions.
au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Père, on prie, papa, que la France, papa, soit environnée de ta gloire. On prie, papa, que les nations, papa, soient environnées de ta gloire, Seigneur mon roi. On prie, papa, là, papa, le monde, papa, s'écroule. Là, papa, tu vois les manigances de ce monde, Seigneur mon roi. Père, on prie ce soir, papa, que la puissance de ton royaume, papa, que ton royaume, papa, puisse s'établir, papa, dans nos cœurs, papa, puissamment, Seigneur mon roi. Que la gloire, papa, puisse briser. Que ta gloire, papa, puisse briser, papa, tout projet maléfique, tout projet, papa, des ténèbres, papa, soit brisé, papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, papa. On déclare, Seigneur, ce soir, on déclare, papa, ce soir, papa, que tous les complots, papa, soient brisés dans l'esprit. Tout travail, papa, au Père de gloire machiavélique soit brisé. Tout travail, papa, occulte, papa, soit brisé, soit détruit, papa. Tu as dit dans ta parole qu'on a reçu, papa, au Père, il y a une puissance dans la prière, papa. Et ce soir, papa, on veut prier, papa. On veut intercéder, papa, afin, papa, que des âmes soient libérées, papa. Afin, papa, que tout travail, papa, machiavélique, papa, soit brisé, papa. Au Père, tout ce qui ne te rend pas gloire, Seigneur, mon roi, papa, soit détruit, papa, au nom de Yeshua, car nous sommes encore sur la terre. Et je crois, papa, que nous avons un rôle à jouer, papa, dans la prière, papa. Voilà pourquoi, papa, on veut prier, papa, afin que ton royaume avance, afin que ta gloire se manifeste, papa, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour ce soir, pour ton feu, papa, que tu déverses. Oui, Seigneur, ton feu ne tarit jamais. Ton feu ne s'éteint jamais, papa. Plus nous t'adorons, plus on veut prier, papa, plus ton feu se renouvelle. Et ce soir, c'est le renouvellement du feu dans ta vie. Le renouvellement, la régénération. Le Seigneur te régénère. Il te renouvelle. Comme dit sa parole, il nous régénère. Il nous renouvelle. Il te renouvelle. Il te réveille. Il te bouleverse. Il t'équipe. Il te remplit. Il t'arrache. Il te sauve. Excusez-moi, mes frères et sœurs, là, mais là, au nom de Yeshua de Nazareth. Père, merci pour les îles, merci pour l'Afrique, merci papa pour le feu du réveil, papa, merci pour l'évangélisation, papa, merci Seigneur mon roi pour les voix prophétiques, oh papa, que tu lèves des hommes et des femmes, que tu lèves, Père de gloire, pour t'adorer, Seigneur, pour prier, papa, merci papa pour les femmes de prière, papa, les ânes que tu es en train de réveiller, papa, pour la prière, papa, ces femmes de prière, le Seigneur est en train de réveiller des femmes de prière, secouer des femmes de prière, il réveille ta vie de prière, il restaure ta vie de prière, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, au nom de Yeshua de Nazareth, au nom de Yeshua, au nom puissant de Jésus. Karabashikayama bolila mama. Brakata baba bikata brokoto boshikayaka. Oh mon roi, merci Seigneur pour le réveil, papa. Merci pour le réveil, papa, dans les nations. Le feu du réveil, papa. Ton église qui se réveille, papa. Ton armée, papa, qui se réveille. Oh Père de gloire, qui se met à la brèche, papa. Oh Seigneur, merci Seigneur pour cette grâce, papa, que tu répands dans nos vies, papa. Oh merci pour le renouvellement, papa, de la prière. Oh papa, là où la prière était étouffée, la prière est restaurée. Kolina Bashika. Oh Seigneur, on verra, papa, au Père, l'impact de la prière. Tu veux nous encourager, papa, par l'impact de la prière. Oh Seigneur, mon roi, on ne sera pas atteint de maladies mystiques. On ne sera pas atteint, papa, de corona. On ne sera pas atteint, papa, de maladies, Père de gloire, des ténèbres. Au nom puissant de Yeshua, papa, que ton église, papa, se lève. Qu'on puisse se lever, papa. On déclare, papa, que les hôpitaux se vident. On déclare, papa, que les malades soient guéris, papa. Que tous les malades, papa, soient guéris, papa. Oh Seigneur, mon roi, que des anges, papa, des anges de ton royaume, papa, viennent guérir, papa, les malades, papa. Et que les hommes, papa, témoignent que c'est Yeshua qui a guéri. Afin que des hommes et des femmes réalisent que c'est toi le seul véritable papa. Oh Seigneur papa, je crois papa que tu as transporté Philippe. Et je crois papa dans ces temps de la fin, tu vas nous transporter papa au Père. Tu peux nous transporter papa pour aller papa crier ici et là papa. Pour aller parler ici papa et là. Aller prier pour les malades papa. Aller secourir papa, secourir ceux qui ont besoin Seigneur mon roi. Je crois papa que ta main n'a pas, ta parole n'a pas changé. Tu n'as pas changé papa. Je crois que tout est possible. Tout est possible papa. Voilà pourquoi ce soir Seigneur, on veut prier papa. Que ton royaume papa se manifeste. Que ta grandeur papa se manifeste.
que la puissance de ton royaume se manifeste dans nos vies, Seigneur mon roi, papa, au nom de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, papa, qui est la percée, papa, qui est une percée, papa, puissant, papa, une percée, papa, dans l'esprit, papa, korakataba shakaya, baba, oh mon roi, on veut, papa, ces hommes, papa, ces femmes, cette jeunesse, papa, au père qui persévère, papa, dans la prière, qui persévère, papa, dans l'intimité, dans la sanctification, oh père de gloire, nous verrons ta gloire, on verra, papa, au père de gloire, la France touchée, papa, la France, papa, les nations, papa, secouées, papa, par la puissance de ta parole, par la puissance de l'évangélisation, par la puissance, papa, de l'évangile, au nom puissant de Yeshua, papa, par la puissance de l'évangile, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Oh Seigneur mon roi, sois magnifique papa, sois adoré Seigneur mon roi papa, on veut te glorifier Saint Père. Oh mon roi, tu es saint papa, tu es saint papa, tu es saint au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, papa, on prie pour les malades, papa, que les malades soient guéris, papa, que les malades, soient, papa, ce soir soient délivrés, papa, tous les malades, papa, au Père de gloire, qui ont été condamnés, papa, par la médecine, alors les médecins, papa, ont condamné, papa, nos soeurs, nos frères, ce soir, Père de gloire, on déclare, papa, qu'ils soient guéris, papa, que les maladies, papa, disparaissent, que les maladies, papa, disparaissent maintenant, que papa, qu'ils vomissent ces maladies. Que ce soir, que ceux papa qui vont suivre et ceux qui suivront papa, c'est ce message papa, soient délivrés de leur maladie. Délivrés de leurs esprits impurs, délivrés de toute maladie mystique. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth, toutes les maladies sortez, sortez des corps, sortez des entrailles, sortez au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur pour la guérison divine, la guérison miraculeuse, la guérison, papa, de ô Père de gloire, tu n'as pas changé, ton doigt n'a pas changé, le doigt du maître. Ô papa, écris dans les cœurs, papa, ta parole, écris dans les cœurs, papa, ô Père de gloire, ta pensée, papa, dans nos cœurs, ta pensée, papa. Que veux-tu de nous, Seigneur mon roi, parle-nous, papa, viens nous parler, papa, que ta voix nous parle, que ta parole nous parle, papa, parle-nous à nos cœurs, Seigneur, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Oh Yeshua de Nazareth, sois glorifié papa. Oh papa, sois glorifié Seigneur mon roi. Sois glorifié Seigneur. Que tous les dons soient restaurés papa. Que tous les dons qui étaient éteints papa soient restaurés papa. Seigneur, au nom puissant de Yeshua papa. Que le zèle papa pour la prière. Que le zèle pour ta parole. Oh Seigneur mon roi, sois restauré papa. Le zèle pour Yeshua. Le zèle véritable. Le zèle véritable soit restauré papa. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh papa, on te prie ce soir papa. Nous te prions ce soir. On te prie ce soir, papa, d'opérer, papa. Réponds, papa, cet esprit de prière sur nous. Cet esprit de prière, papa. L'esprit de prière, papa. Oh, Seigneur mon roi. Ton esprit, papa. Ton esprit de prière, papa. Seigneur mon roi. Comme toi, tu priais, papa, quand tu étais sur terre. Comme toi, tu priais, papa. Seigneur, on veut aller sur la montagne, Seigneur mon roi. On veut aller sur la montagne, Seigneur mon roi. Oh, Seigneur mon roi. Oh, Père, pour te donner la gloire. Pour te rechercher encore, Seigneur mon roi. Dans la prière, papa. Oh, ce soir, on te donne nos vies, papa. Papa, on veut encore se repentir, papa. Oh, ce soir, on veut encore voir ta gloire, Seigneur mon roi. Qui est, papa, au Père de gloire, un mouvement, papa, dans l'esprit, papa. Un mouvement glorieux de ta puissance, papa. Au nom de Yeshua, papa. Dans le nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh, Seigneur mon roi. Oh, Père de gloire. Oh, Père de gloire. Que des vies soient touchées. Que des vies soient impactées, papa. Que des frères et sœurs, papa, puissent se lever, papa. Oh Seigneur, là, leur bouche était liée, papa. Qu'ils puissent témoigner, papa. Qu'ils puissent crier partout, Seigneur, mon roi, que tu reviens. Crier partout que tu es, Seigneur. Crier partout, papa. Et qu'ils soient accompagnés, papa, de ton royaume. Qu'ils soient accompagnés, papa, de ta puissance, papa. De ta sainteté, papa. De ta présence, papa. De ta présence, papa. De ta présence, papa. Là, papa, beaucoup s'étaient éteints. Là, beaucoup, papa, s'étaient refroidis, papa. Qu'ils soient réveillés, papa. Qu'ils soient boostés, papa, de nouveau. Qu'ils soient boostés de nouveau, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Là, papa, beaucoup s'étaient éteints, papa. Là, beaucoup, papa, s'étaient éteints, papa. Qu'ils soient de nouveau réveillés. Réveillés au nom de Yeshua. Réveillés pour la vérité. Réveillés pour le Seigneur. Que leurs yeux, papa, soient, que nos yeux soient fixés vers toi, Seigneur, au nom de Yeshua. Merci pour l'œuvre que tu fais, papa. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié. Que Yeshua soit magnifié. Qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié, qu'il soit adoré. On veut lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon. Fais-lui confiance. Ce soir, tu t'es repenti. Ce soir, il t'a touché, il t'a réveillé. Ne retombe plus dans le mal. Courage, courage, ma sœur. Courage, toi qui pleures. Courage, courage, courage. Courage, courage. Le Seigneur te dit courage, courage, vaillante guerrière. Courage, 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 courage. Tant qu'on peut encore s'édifier mutuellement, on va s'édifier, on va s'encourager au nom puissant de Yeshua. L'autre fois, on avait fait une chaîne de un temps de prière et certainement on fera une veillée. On fera une veillée, certainement une veillée, hein, une veillée. Voilà, sur la chaîne comme on avait fait l'autre fois là, sur la ligne téléphonique qu'on avait fait l'autre fois. On vous tiendra au courant par rapport à ça. On va organiser une grande veillée comme ça là. Une grande veillée comme ça là et chacun pourra se connecter. On verra comment on va s'organiser par rapport à ça. On vous tiendra au courant. On va prier là pour les nations, prier pour les âmes. Prier vraiment que le Seigneur puisse vraiment opérer, voyez. Et dans toutes les... On a pu voir hein, dans toutes... Mais en fait, c'est la prière, en fait, mes frères et sœurs. C'est la prière. Il faut la prière. Il faut se retrouver dans la prière, dans l'esprit. Oh oui. Il faut dans la prière se connaître. Enfin, en fait, on est un en esprit, en vérité. Même si tu es à New York et nous, là, on est à Paris, en France, eh ben, dans l'esprit, on est un. Et ce soir, là, j'aimerais nous dire ce soir qu'on puisse se lever dans la prière, mes frères et sœurs. Qu'on puisse se lever dans la prière. Alléluia. Qu'on puisse se lever dans la prière. 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 On vous dira pour la prière là qu'on va mettre sur la chaîne, sur le téléphone là. Comme ça, on pourra se connecter. Prier. Faire une veillée de prière. Veillée de prière. Bien prier là. Bien prier au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Et voilà, c'est en fait la prière là, c'est on a vu hein, c'est en fait quand il y a la prière là, le Seigneur il ne peut que être là. Il ne peut que être là, son royaume est là. Quand il y a la prière, je vous dis, il est là. Les cœurs qu'il adore, les cœurs qui sont sincères avec le Seigneur, lorsqu'ils se lèvent dans l'esprit, quand ils se lèvent pour prier, le Seigneur, il est là, il regarde, il agit. Je vous dis la vérité, il y a une activité. Il agit. Oh oui, il exauce. Oh oui. Quand il y a la prière là, je vous dis, il exauce. Il est au milieu. Oh oui. Au milieu de ceux qui se lèvent dans la prière. Au milieu de ses enfants qu'il adore et qui prie. Quand bien même que le méchant se lève, l'ennemi se lève. Le Seigneur est au milieu. Au milieu. Au milieu. Au milieu. Alléluia. Alléluia. Et je crois que ce soir, il y a des amoureux du Seigneur. Il y a des amoureuses de la vie qui est Yeshua. Et elles sont amoureuses de Yeshua. Continuez à l'aimer. Continuez à adorer le Seigneur. Continuez à l'aimer. Quand bien même on a des défauts, des failles, tout ça. Continuons à aimer le Seigneur. Continuons à tout faire pour adorer le Seigneur, pour plaire au Seigneur, mon frère, ma soeur. Tout n'est que grâce. C'est la grâce. On doit s'appuyer sur la grâce, mes frères et sœurs. Alléluia. Oh oui, on doit traverser cette année-là, traverser l'année prochaine, traverser toutes les années-là, tant que le Seigneur n'est pas revenu, tant qu'il nous prête la vie, on doit traverser les générations, on doit traverser les années, au nom de Yeshua de Nazareth. Nous devons marquer notre génération église, on doit marquer notre quartier, marquer partout où on passe, les hommes et les femmes doivent être marqués. Marqué par la vie du Seigneur dans ton cœur, par la présence du Seigneur dans ton cœur. Ils doivent être marqués par la sainteté du Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies. Oh oui, cette sainteté-là, il doit être marqué. Le feu du Seigneur en nous, là, doit
doit causer des choses, doit en fait, ça doit briser des choses, le feu du Mashiach en nous là. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur mon roi. Il est bon. Il faut se laisser conduire là, donc comme le vent. Ne rien faire de manière mécanique, mais se laisser conduire. Se laisser conduire, se laisser conduire. Là on a enchaîné là quelques vidéos là. On se laisse conduire. Voyez. On se laisse conduire et je crois que le Seigneur a opéré ce qu'il voulait opérer. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. Ce soir là, voici la paix du Seigneur dans ton cœur. La paix dans un cœur ce soir là. La paix. Oh oui, il sèche tes larmes là. Oh oui, il guérit ton cœur, il sèche tes larmes. Il sèche tes larmes. Il sèche tes larmes. Quelqu'un pleure beaucoup ici. Quelqu'un pleure beaucoup. Le Seigneur sèche tes larmes. Il sèche tes larmes, mon frère, ma soeur. Il sèche tes larmes, ma soeur. Il y a une soeur là qui pleure beaucoup. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Le Seigneur te dit, il sèche tes larmes. Oh oui, voici sa présence sur ta vie. Voici son amour. Alléluia. Voici son amour. Oh, il y a une soeur là. Il y a l'amour de Yeshua sur sa vie. Oh oui, tu n'es pas seul. Il te dit, tu n'es pas seul. Il y a tes frères et sœurs là, tu vois, dans l'esprit, qui sont là. Tu n'es pas seul. Nous sommes un dans l'esprit. Et le Seigneur est là. Il sèche tes larmes, ma sœur. Il sèche tes larmes. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh là, c'est terrible. Ah, c'est dans les... il sèche tes larmes là, tu vois. Il sèche tes larmes. Il te guérit. Il guérit ce cœur qui pleure là. Il guérit ce cœur. Il guérit ce cœur. Alléluia. Ce soir là, c'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ce soir, c'est l'huile. Il y a cette huile là qui descend. Il y a cette huile sur ta vie. Je voulais arrêter, mais là, il y a cette huile. Cette huile là qui tombe sur toi là. Ne vois-tu pas comment ta langue te délie? Ne vois-tu pas comment tu prophétises ce soir là? Oh, tu prophétises. Tu proclames. Alléluia. 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 Tu te lèves dans la prière. Le Seigneur restaure tes dons et tes visions. Il restaure ta vie de prière. Tu vas prier. Tu vas prier. La prière, tu vois, c'est ta vie. C'est notre vie. Tu vas prier, prier. Le Seigneur va te mettre à la brèche pour la prière. Pour la prière. Pour prier pour le corps du Mashiach. Et tes prières auront des effets terribles. Tu es tellement attaqué parce que, en fait, c'est la prière que Yeshua a déposée en toi qui est en train de déranger. Voilà pourquoi tu es si attaqué. Tu es combattu. C'est parce qu'il y a le feu de la prière que Yeshua a déposé et qui dépose encore, qui double encore en toi. Le Seigneur t'en compte. En fait, il ajoute encore en toi. Il ajoute. Oh oui. Il est en train d'ajouter en toi encore. Il ajoute en toi le feu de la prière. Alléluia. La prière. La prière. Alléluia. Oh, ce soir, c'est terrible. Hein? Alléluia. Il y a un feu qui descend aussi sur des sœurs. Il y a des sœurs qui se... Oh là là. Le feu tombe sur des femmes du Seigneur ce soir. Le feu tombe sur les femmes du Seigneur ce soir. Alléluia. Le feu descend. L'huile descend. Cette huile là, cette huile, cette onction du Mashiach qui va te garder. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est terrible, terrible. Là, je suis en train de sauter partout là. C'est terrible. Alléluia. Je suis en train de sauter partout. Karabashakaya Ramala Karabashikarababa. C'est magnifique ce soir. C'est glorieux, glorieux, c'est glorieux. Le Seigneur prépare son peuple, le Seigneur équipe son peuple ce soir il t'équipe, ce soir il te remplit. Ce soir, sa main te visite. Ce soir, c'est la visitation. Ce soir, c'est la restauration. Ce soir, il prend soin de toi. Ce soir, mon frère.
Ce soir, ma sœur, c'est ta visitation. Ce soir, il te visite. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est magnifique ce soir. Merci Seigneur. Je comprends pourquoi il m'a forcé de... Oh, c'était chaud ce soir. J'étais fatigué. Il m'a dit, non, faut que tu parles. Oh Seigneur, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, sois magnifié. Sois magnifié, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Merci Seigneur, mon roi. Le Seigneur te dit, tu n'iras pas à l'hôpital. Quelqu'un était privé de pas à l'hôpital. Le Seigneur te guérit, il te guérit. Il restaure ta vie, là. Il restaure tes membres, il restaure ton corps, tes organes. La maladie disparaît ce soir. Toutes les maladies bizarres, au nom de Yeshua, papa. Seigneur, toute maladie de sang, Père de gloire, leucémie, Père de gloire, le sang, papa, est restauré ce soir. Ce soir, au nom de Yeshua de Nazareth, papa. Ce soir, nous croyons, papa, que tu opères. Tout est possible. Tout est possible. Là, papa, des jeunes étaient malades ce soir, papa. Qu'ils soient guéris ce soir. Toutes les maladies, ça sort des corps. Vous quittez les corps ce soir, au nom de Yeshua. Vous quittez les corps, au nom de Yeshua. Oh, Seigneur, mon roi. Yeshua de gloire. Yeshua de gloire, Yeshua est vivant, Yeshua est vivant, il est glorieux, il est glorieux. Prie encore nos Yeshua de Nazareth. Seigneur, merci Seigneur mon roi pour tout ce que tu feras, papa. Merci Seigneur mon roi pour nos familles que tu sauves. Merci Seigneur mon roi pour les hauts de ce monde, Seigneur mon roi. Tu touches, papa, Père de gloire, les autorités, papa. Tu touches, papa, les autorités de nos villes, Seigneur mon roi. Oh Seigneur mon roi, afin que ta parole, papa, soit encore prêchée, papa, annoncée, Seigneur mon roi. Père, au nom de Yeshua, papa, que l'évangile, papa, puisse encore rentrer dans les nations. Que l'évangile, papa, puisse encore parcourir les pays, papa. Parcourir, papa, les nations, Seigneur mon roi, papa. Au nom de Yeshua, papa, que l'évangile, papa, puisse se propager encore, papa. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur restaure la prière. La prière. Il faut prier. Il faut prier. C'est important. On doit se lever de la prière. On doit se lever de la prière. Je vous dis la vérité. Prendre un temps tous les jours, prier. Nous serons connectés dans l'esprit. On sera connectés. Je vous dis la vérité. Il va se passer des choses. On doit se lever, Église. Que ce message tourne pour tous les enfants du Seigneur. Que ce message tourne pour tous les enfants de Yeshua de Nazareth. On doit se lever dans la prière, Église. Se lever dans la prière, se lever dans la prière. Parce que l'ennemi se lève aussi. Et le Seigneur veut que son peuple se lève. Parce que les temps sont difficiles. Parce que les temps sont terribles. Les temps sont mauvais. Et le Seigneur nous appelle à la brèche. On doit se mettre debout. Que notre lampe là ne manque pas de l'huile. Que notre lampe ne manque pas de l'huile. Notre lampe là ne doit pas manquer de l'huile. On doit être réveillé. On ne doit pas dormir. Tout à l'heure on l'a lu. On ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir, on doit se lever dans la prière. Prier tous les jours, prier chaque jour, déclarer des choses, déclarer, prophétise au nom de Yeshua, prophétise. Que les malades soient guéris, prophétise que les barrières soient brisées, prophétise que les camps, les murailles soient brisées, prophétise que là où les gens étaient captifs soient libérés, prophétise que des âmes soient touchées, prophétise dans l'esprit au nom de Yeshua, proclame, déclare, alléluia, on déclare au nom de Yeshua que nous marcherons dans la paix, on prophétise, papa, que nous ne mourrons pas avec aucune maladie bizarre. On déclare, Seigneur mon roi, qu'on ne va pas accepter, papa, Père de gloire, le péché, papa, de nos vies. Au nom puissant de Yeshua. Tout ce qui est machiavélique, papa, tout ce qui est des ténèbres, papa, Père de gloire, soit brisé. Que ton peuple, papa, que nous sommes, soit protégé. Prophétise. Oh oui, notre âme, c'est la prière. Notre âme qu'on a reçue là, c'est la prière. Et le Seigneur veut briser des choses dans l'esprit qui sont terribles, qui arrivent sur les nations.
Et c'est l'église que le Seigneur a établie dans ce monde. On doit se lever, mes frères et sœurs. On ne doit pas pleurer comme la terre pleure. On doit se lever dans la prière, se lever dans commun accord, se lever dans l'unité, se lever Ecclésia de Yeshua. Nous sommes dans acte 2. Là, je vois comme acte 2. Mais acte 2, chacun chez soi dans les nations. Mais nous sommes un dans l'esprit. Et le feu va descendre. Et le Seigneur va descendre. Et sa gloire va descendre. Et ça va briser des chaînes. Oh, kalabashi, kanamashi, katabababa. Oh, kalabashi, nile. Loli, loli, loli. Oh oui, c'est acte 2. Mais chacun dans ses nations. Chacun dans son pays. Mais nous sommes unis. Nous sommes un dans l'esprit. Et le Seigneur ce soir nous dit ce soir, c'est acte 2. Oh oui, tous les jours, prière, 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 prière. Voilà le message ce soir. C'est possible, jeunesse, d'être sauvé. C'est possible de demeurer. C'est possible. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur nous dit ce soir, Église, on doit être dans la prière tous les jours. Tous les jours, prière, prière. Alléluia, prière. On va voir comment on va s'organiser là. Je crois qu'on va même mettre en place là ce soir. Enfin, on vous tient en courant. Mettre en place là un système pour prière là, de prière. Oh oui, on va mettre ça en place là. On va mettre ça en place. On va voir comment on s'organise. Mettre ça en place là, la prière. Oh oui. Comme l'autre fois là, on va voir comment on s'organise pour ça là. Oh oui, oui, oui. Une chaîne de prière comme ça là. Une chaîne de prière spéciale là. En place. On va voir. On vous tiendra au courant, l'équipe. Enfin, l'équipe. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs. On y est chaud. On vous tiendra au courant. Et voir comment le Seigneur conduit toutes choses. Au nom des choses de Nazareth. En tout cas, mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez fortifiés. Que le Seigneur se glorifie encore dans nos vies. Et on vous tiendra au courant rapidement par rapport à ça. Voilà, une chaîne de prière comme ça, là. Voir comment le Seigneur permet que tout ça se mette en place. Parce que c'est le temps de la prière, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Alléluia. Bonne soirée tout le monde. Et peut-être un chant ou deux. Voilà, c'est bien, on aime bien passer des chants aussi. Adorer le Seigneur un peu. Ça a défilé là, dans Yeshua à Nazareth. Bonne soirée tout le monde.
Bye.